Non mais t'es complètement folle de me faire ça. Mais c'est pas contre toi. Mais non, mais je te parle pas de ça, je te parle de l'heure, on avait rendez-vous à 18h. Enfin bref. Et qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Bah qu'est-ce que j'ai? Bah depuis quand tu mets des robes comme ça? C'est une robe à moi. Bon bref. Vas-y, tu commandes quoi? De l'eau fraîche, ça ira ou... Non, rien. Ok, bon. Ah, alors? Alors quoi? Tu veux savoir qui c'est? Non, je veux pas deviner, tu m'as dit que je le connaissais, alors... c'est Sauveur, voilà, Jérôme Sauveur. Qui c'est? Ah non, il s'appelle Alain. C'est le garçon que j'ai rencontré quand, dans le parc, là, quand on s'est disputé. Tu te fous de ma gueule? Bah non, pourquoi? Mais alors, tu veux dire que c'est le type vulgaire là, qu'on a rencontré dans le parc, le réalisateur télé, c'est ça? Celui qui t'a traité de connasse. Non mais connasse, s'il te plaît. Non mais attends, c'est quand même l'insulte la plus répugnante qui soit, autant pour celui qui l'a dit que pour celle qui l'apprend, enfin je sais pas. Comme tu parles bien, mon chéri. Non mais arrête de m'appeler mon chéri et arrête de te foutre de ma gueule. Comment t'as fait pour retrouver? Quand je suis sortie des jardins, il était là, il me cherchait, il voulait s'excuser. Il n'en revenait pas de m'avoir parlé comme ça. Moi je voulais rentrer, je voulais aller voir ma mère. En fait, il avait l'air tellement triste. J'étais boire un café avec lui. Et voilà. On peut s'arrêter là si tu veux. Non mais. Enfin, je veux dire, un réalisateur télé, mais comment est-ce que t'as pu. T'as que des clichés dans la tête, toi. Hein. C'est un très bon documentariste. Il était dans plein de pays. L'année dernière, il est resté plusieurs mois au Bangladesh. Il a ramené un film magnifique. Mais magnifique. Tu l'as vu, ce film? Écoute, moi, quand je dis que quelque chose est magnifique ou naze, tu vois, c'est que je l'ai vu. Il me l'a montré. Il a fait des photos aussi. Des photos très belles. Il va faire une expo. Mais pas pour lui, hein. Pour montrer la beauté de ce pays, tu vois, pour le faire surgir. Surgir. Ouais. Tu sais quoi, j'ai envie d'hurler là. Non mais franchement, j'ai envie d'hurler. T'es en train de me dire que t'es amoureuse de lui, c'est ça? Mais tu l'aimes, hein? Non, je crois pas. Je crois que c'est toi que j'aime. Vous allez voir quoi? Ouais. Il fait bien l'amour? Je sais pas s'il fait bien l'amour, mais en tout cas, j'adore le faire avec lui. Pourquoi? Tu veux savoir? Bah oui. D'abord il m'encule et toi tu m'enculais jamais. Non, putain. Non, mais. Non, mais je savais pas. Je savais pas que t'aimais être enculé. Moi non plus. Moi non plus, je savais pas. En fait, j'avais juste un peu peur d'un truc. Tu vois, c'est. Au début, ce qui m'a un peu terrifiée, c'est que. En jouissant, il tire la langue. Il tire la langue. Ouais. Mais maintenant, je trouve ça mignon, tu vois, en fait. Maintenant, je trouve ça mignon. Il m'a d'abord baisé longtemps, bien, plutôt consciencieusement, et c'est quand j'ai joui. Il s'est retiré, et il a commencé à mettre sa queue. Non, mais attends. Bon. Non, mais j'avais très peur, hein. J'avais le cœur qui battait très 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 fort. Très très fort. Du coup, je me suis rétractée. Du coup, il a commencé à enfoncer, à sortir, pardon, sa bite de mon cul. Et là, mais ça m'a rendue complètement folle, tu vois. J'ai même hurlé. Du coup, il me l'a mis à fond, c'était énorme. Tu peux pas savoir comme c'était bon. Ouais. Ah non, évidemment, tu peux pas savoir. J'étais dilatée, quoi. Épanouie. J'avais juste un peu peur d'un truc, c'est de pas m'être assez bien lavé le cul avant, tu vois. Parce que sur les draps, ça faisait un peu comme du café au lait. Quoi? J'avoue, total. Non, t'es en train de me dire que vous avez fait tout ça sans préservatif? Mais non. Non, et de toute façon, si, mais oui, il a fait un test, il est négatif. Non, mais comment ça, il a fait un test? Mais comment t'es sûr qu'il est négatif? Mais parce que il sort d'une rupture. Quoi? Ouais, mais il a pas comment... fait la... Bah, je te dis, il a pas fait l'amour pendant 2 mois, voilà. Mais comment tu le sais qu'il a pas fait l'amour pendant 2 mois? T'en as la preuve? Parce que je te dis qu'il a atrocement souffert, abominablement. Ah oui, d'accord. Il a même cru qu'il resterait impuissant. Ah, super. Et il est délicat, attentionné, tout ça, puis il t'encule, donc forcément, voilà. Et 2 mois, c'est rien, hein. Écoute, c'est bon, là. C'est fait, et refait, voilà, j'ai plus envie de parler de ça. Et puis vous allez le refaire, tu vas revoir. Bah oui. Je comprends pas. Mais je comprends pas, tu m'as dit que tu m'aimais. Mais oui, je t'aime, écoute, ça n'a rien à voir. Bon, merci encore. Non mais comment ça, Nad? Attends, tu viens d'arriver, tu vas repartir là. T'as rendez-vous avec lui, c'est ça? Écoute, ça
Sois pas prévisible comme ça, banal, c'est bon. Mais quoi, prévisible? Bon allez, c'est pas ta faute, mais il faut vraiment que j'y aille. Il va faire une expo, je vais être en retard, ça va être magnifique. Hein, magnifique, bah oui, mais nous on se revoit quand nous? Bah, je sais pas. Tu sais pas? Non, je sais pas. Tiens, vas-y, redonne-moi les clés. Redonne-moi les clés, je te dis. Attends. Tiens. Et il s'appelle Alain comment? Il s'appelle comment? Bah Alain, tu viens de le dire. Ah oui, bah oui, et Alain comment? Bah d'Oxantras, Alain d'Oxantras, je te l'ai dit, allez, super. Salut. Oh.